visibilité, c'est-à-dire qu'on est quand même en mouké, bale bana wana mwana mouké na mwana mouké. Il dit, quand on parle de la visibilité, c'est-à-dire c'est faire voir au grand jour. Les relations des lesbiennes, c'est pas une blague. Les lesbiennes et les homosexuels, ils sont tous de la même famille. Par exemple, au temps de Sodome et Gomorre, il y avait ce genre de pratiques. Et Dieu a brûlé toute une ville et tout était cendre. La Bible n'interdit pas seulement ce genre de pratiques, mais il punit sévèrement. Ce sont des gens qui méritent la mort immédiate. Et ces lesbiennes, pour être pardonnées par Dieu suite à leurs actes, elles doivent d'abord reconnaître en eux-mêmes que cette pratique n'est pas une bonne chose. Elles doivent avoir le regret de savoir que ce que je fais, c'est mal. Et si elles prennent la décision et la résolution d'abandonner cette pratique et de chercher Dieu avec tout leur cœur, afin d'enlever ces péchés en eux, en demandant pardon honnêtement à Dieu, elles seront sauvées en passant par la repentance. Mais au cas contraire, c'est le feu éternel. Mais pas sur repentance, attendre mon mort à mille, fait éternel.